Oh, soif. Oh, frérot. Allez, c'est l'heure là, il faut se réveiller parce qu'après on va être en retard. Mais tu fais quoi? What's up les Rayos? Nouvelle vidéo, un petit vlog. Donc j'espère que vous allez bien. Donc dans ce vlog là, on va essayer de vous montrer les derniers jours de la préparation pour la compétition. Et en même temps, bah, la compétition à la fin. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Les Rayos, direction Paris pour la compète. Let's go! On va chercher ce qui nous appartient. Hein. Oh. Donc les gars, aujourd'hui 12 octobre 2017, on va prendre l'avion direction Paris pour la First Competition Musclemania. Et après on aura aussi rendez-vous le 21 octobre pour NFS. Donc on va faire les deux compétitions. On est chaud, on est des compétiteurs, on est là pour gagner. Souhaitez-nous bonne chance. Bon les gars, bien installés à l'avion, direction Paris, compétition de Monsieur Mania. Donc ce soir, dernier repas de décharge. Et demain, on commencera la recharge et il y aura également la pesée pour la compétition de Monsieur Mania. On se rejoint demain, on vous vloguera ça. Tchuss. What's up les Rayos, on vient de se réveiller. Aujourd'hui on est vendredi 13 octobre, J-1 avant la compétition. Donc aujourd'hui c'est la pesée, on va s'enregistrer etc. Donc on commence tranquillement le matin avec la recharge. Avec que du riz, donc du riz blanc sans sel, sans rien. Donc on a coupé le sel. Riz toute la journée aujourd'hui et demain. On va pas boire beaucoup d'eau aujourd'hui et on va essayer de le couper à partir de 17h. Vraiment lourd. On se laisse sur ça. Là, on va regarder un peu la shape avant de commencer le riz. Donc, là, la shape de fin de décharge, vraiment à plat. Et après, bon, on va voir un peu l'état de la shape, voilà, l'évolution de la shape avec la recharge. On vous dit à toutes. Peace. Physique fin de décharge. Pas un peu plus fort, frère. Physique fin de décharge. Donc, je suis plutôt plat. Ça, l'objectif a été atteint. On va essayer de recharger. Ouais, bien sec, ça va. Physique update, bravo recharge. Le tas d'abord au milieu. Pas mal, non? Pas mal du tout. T'as des stries, des obliques. Deux double biceps, pour voir.
pourtant, les deux. Pas mal. Pas mal du tout. Bah les gars, on se retrouve pour les physiques de décharge, donc vraiment physique à plat et sec. Voilà, l'objectif là a été atteint. Souhaitez-nous bonne chance. On va tout casser. Let's go! Les Rios, la sèche, elle épuise vraiment énormément. Là, on est parti mettre l'essence. On a oublié de fermer et de refermer le réservoir. Je galère à parler, je suis fatigué. On a oublié de refermer le réservoir, on a oublié la carte dans le support pour payer, etc. etc. Je sais pas si ça fait partie des effets secondaires de quand tu recharges, mais on a l'impression d'être shooté, genre. Ah ouais, je suis shooté, moi j'ai l'impression. Genre, moi j'ai l'impression que je suis shooté. Bon, je garde les mêmes effets négatifs de la sèche, c'est que je suis toujours énervé. Là, j'ai oublié le réservoir. Il y a un mec qui a voulu me dire. Il m'a klaxonné pour le réservoir, je crois. Ouais. Il y a un mec qui nous a klaxonné pour nous dire que le réservoir il était ouvert. Ouais, on s'est presque pris la tête avec lui parce qu'on croyait qu'il. Alors que le mec c'était sympa de sa part. Ouais, quoi. Voilà. N'importe quoi. Bon, on espère que c'est bientôt fini. Et qu'on va arrêter de faire quelques conneries comme ça parce que là c'est chaud. Là. Allez, on se retrouve pour après. Peace! Voilà, continue tranquillement à manger des glucides pour la recharge. On est en retard pour la peser en plus. Voilà, on est en retard pour la peser, on va y aller, on va pas tarder à y aller. Donc là, c'est quoi? C'est du riz avec de la pâte à douce, on le mélange. Donc voilà, au moins, ça donne une petite texture un peu moins sec que le riz sec tout seul. Et voilà, ça donne un peu plus de goût. Donc voilà, allez, on se retrouve après pour la peser. Peace! Stylé le sac quand même. Proziz. Pour ceux qui veulent le même sac, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de le mettre avec le code TWINS10. Peace. Donc là, je vais charger la bouffe tranquillement. Je vais mettre ça et ça dans le sac. Donc là, direction la pesée, on va faire un petit sac parce que d'après ce qu'on a entendu, les pesées, ben ça prend énormément de temps. Alors, vu que ça prend beaucoup de temps, ben, on va prendre la bouffe dans le sac. Et on va essayer de prendre la bouffe pour après le soir, si ça dure toute la soirée, etc. Ouais, voilà. Donc là, on va faire un petit sac vite fait et après on y va. Bon, les Rios, comme on vient de dire, là, on a fait nos petits gamelles. Donc généralement, on essaie de manger plusieurs fois dans la journée et généralement, en moyenne, on a 50 grammes de glucides par repas. Voilà, donc on fait notre recharge tranquillement. On a fait nos petites gamelles là pour dans 2 heures parce qu'on vient de manger. Et au cas où, si la pesée dure trop longtemps, on ramène nos grands petits perroirs avec notre pesée et on fera nos repas là-bas. Ouais. Comme donc ça, on n'est pas en manque. Ouais. Comme ça, on est prêt, on est chargé, on charge la mule, cousin. On va tout mettre dans le sac parce que la soirée va durer longtemps. On va savoir aussi, voilà. On est qu'à 500 ml. Il nous reste que ça jusqu'à 17h30. Voilà, on a mis on un a petit réveil. Litres. On stoppera l'eau à 17h30. D'eau et on va couper après à 17h30. On se retrouve là-bas. Tchuss. Donc voilà, on prend aussi notre pesette avec nous, histoire de peser un peu les aliments là-bas, au cas où si ça dure trop longtemps. On se retrouve là-bas, sac chargé. Pec chargé, let's go. Donc on commence à être de plus en plus lucide avec les glucides qu'on est en train de manger. Mais on refait, on continue à faire encore des bêtises. Là on a démarré la voiture, il a oublié le frein à main. Il a direct calé. J'accélère, bam, la voiture elle a calé. Il a direct calé, bref, on s'en fout. Bref, direction la pesée, là on est en retard. Normalement on avait rendez-vous dans les 16h, on va arriver à 16h30. Non. Donc on verra comment ça se présente, j'espère qu'ils ont du retard. De toute façon à mon avis il va avoir beaucoup de retard, donc c'est bon, je tourne à droite. Voilà, on se retrouve là-bas, les Rios. Peace! Je viens d'arriver à l'opéra de Massy. Hop, et des petites flèches. Enregistrement, jusqu'à venir. Let's go. Oh, ça va, c'est bien, au moins on est guidé. Bon, on est en retard, on va voir. Vas-y, on descend. On va descendre, on va voir.
ils ont joué ça comme une chasse au trésor. Bon, les Reyos, on vient de finir l'inscription, la pesée, les tailles, etc. On nous a donné notre numéro 217-211. T-shirt Monsieur Mania. Retenez bien ce chiffre, on va tout casser. On se rejoint au podium. Number one, let's go. Donc voilà, première couche overnight terminée pour Sofiane. Hop. La différence, faut rapprocher un peu la diff, un peu plus bronzé, on voit rien. Bon, c'est parti, on va commencer un tanner moi. À 5h du mat, prendre le train, dans le train, direction Massy. On a environ 1h30 de trajet. Ouais, 1h20. Voilà, donc 1h20 de trajet, rendez-vous à 8h. Mais il y a une conférence vers 9h, donc faut qu'on soit avant 9h. On se rejoint là-bas. Peace. La tente avant la conférence. Son nom c'est Luis, il vient de Los Angeles et c'est le président de Musclemania. And joining me today is Nelson Dos Santos. 10h du matin, la conférence vient d'être finie. Train rempli, notre gamelle, on a ramené la petite balance, on pèse ça tout direct. Wesh. Wesh. On va manger un peu. Une petite photo de groupe. Au calmo. Ouais, on est tous en train de se taper le tanne. Il y a une grosse cicatrice ici au niveau du genou. Faut que tu la montres. Avance. Passe avec tout le monde.
Alors, je vous invite à voilà, reculer, voilà, et à former un comme un arc de cercle de main. Tu peux venir jusque là. Sans souci, est-ce qu'ils sont tous les twins? Donc, quoi que c'est bon, c'est bon. Voilà, parfait. Vous pouvez laisser l'espace entre vous. Vous êtes tous sur scène. Lâche tout, lâche tout. Nicolas Yang va pouvoir remettre. La cinquième place de la main de Nicolas Yang. Elle revient. Alors on va le faire reculer s'il vous plaît un petit peu. Faites si vous pouviez faire trois pas en arrière. Voilà, juste pour permettre aux gagnants de pouvoir se retrouver en avant. Faites trois pas en arrière s'il vous plaît. Trois pas en arrière. Voilà. Alors, cette cinquième place revient au numéro 210, Marwan Kifaji. Ouais. Bravo, bon, Marwan. Nicolas te remet ta coupe. Félicitations. Tu peux te positionner en avant. Bien joué, Marwan. Ouais, suis-moi, Marwan. Tiens, positionne-toi là. Bravo à toi, félicitations. Voilà. Alors, voilà, Nicolas va nous remettre donc la deuxième place de cette catégorie Men's Physique Junior qui revient au numéro 200, Sofiane Kifaji. Ouais, les twins. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Félicitations, on peut l'applaudir. Bien joué les gars. Et voilà les créos, la vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Aussi à vous abonner parce qu'on va pas tarder à sortir la vidéo de NFS, donc Nature Fitness Show. Ouais, juste après Musclemania, la compétition, on a fait NFS. Donc voilà, la vidéo va sortir juste après, donc abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà, donc, rapide conclusion par rapport à cette compétition. Franchement, Musclemania, super bonne expérience. Ouais, il y avait un niveau de fou aussi. Ouais. Le niveau il était énervé, il était au-dessus. Donc ouais, même en junior, donc nous on est dans la catégorie junior, en main physique, il y avait un gros niveau. Heureusement, on a fait finaliste. Donc 5 pour Marwan et vice-champion pour moi, donc voilà. Deuxième. Les coupes sont là. Petite médaille du 5e, grosse médaille du 2e. Voilà, enfin médaille, coupe plutôt. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, hein, c'est du verre. Ouais. Parce que même moi je croyais que c'était du plastique au début. Donc par rapport au prix, Monsieur Mania, on a juste une coupe. Donc il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de chèque, pas d'argent, il n'y a rien du tout. Donc voilà, juste une coupe. Mais après, niveau expérience, voilà, c'est bien de faire Monsieur Mania. Bon, il y en a qui disent que c'est pas bien, etc. On n'a pas envie de rentrer dans le débat. Détails, ouais. Donc voilà. Donc, après, ce qui est bien, c'est que quand on fait une compétition, on apprend pas mal sur nous-mêmes. On apprend pas mal sur ce qui marche sur nous, la sèche, etc. On apprend pas mal de choses. Franchement, on a pris beaucoup d'expérience. Voilà, c'est ça qu'on en garde. On en garde de cette expérience-là, c'est l'apprentissage qu'on a eu, tout simplement. Alors, on a appris pas mal sur la compétition, sur les compétitions, etc. Comment se préparer. Donc franchement, c'était une super bonne expérience. En plus, c'était notre première compétition. Notre première vraie sèche. Donc voilà les Khayos, on se laisse sur ça. Donc n'hésitez pas à checker la description pour nous suivre dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Donc à nous mettre un like pour le soutien si vous avez kiffé la vidéo. Et à vous abonner pour voir la suite de nos vidéos. Notamment la vidéo sur les NFS, la suite des compétitions. Et voilà. Donc voilà les Khayos, on se laisse sur ça. À la prochaine et à la vôtre, Khayos. Peace! Peace!